Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Vous activez vos micros. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, Faiza. Oui. Bonjour, madame. On attend encore une minute et on va commencer. Donc, bonjour encore une fois. Vous activez vos micros, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, parce que c'est un cours, on doit tous participer. D'accord? D'accord. D'accord, madame. Madame Snad, Christophe Smed, notamment. Comment? Snad, Christophe Smed, notamment. Béquille, s'il vous plaît. Donc, juste, on active le micro, on désactive la caméra. Désactiver la caméra. Comme ça, il n'y aura pas de streaming. Voilà. Donc, vous avez fait déjà des cours en ligne. C'est-à-dire, vous avez commencé le programme cette semaine.
بريمير فون ديرو في ميت مادام البارح درنا في ويباكس. Ah, ça marche encore le Webex? Oui, madame. Qui le... Vous avez un délégué ou là? Pas encore? Ah oui, madame, merci. Oui, c'est qui? C'est? Nassim, Yassine. Vous me donnez le nom et le prénom, s'il vous plaît. Nassim Samah. Allô. Vous m'entendez? Oui. C'est Nassim, Nassim, comment? Samah. Donc, c'est vous le délégué? Oui. D'accord, donc si je veux partager quelque chose, donc je vais vous envoyer un tête à votre bâtiment. D'accord. Alors, lorsque... On travaille avec Google Meet. Lorsque je vous envoie une invitation, il faut l'accepter. Si vous voulez, donc, bien sûr, si vous voulez participer au cours, vous devez accepter l'invitation. Parce que là, il y a ceux qui acceptent l'invitation, ils vont se connecter directement au cours. Mais ceux qui n'acceptent pas l'invitation, à chaque fois, il y a un message qui apparaît. Je dois les autoriser. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, madame. Et donc, ça va perturber le déroulement de la séance du cours. Au début, c'est faisable au début, mais une fois qu'on lance le cours, on ne peut pas à chaque fois arrêter le cours et autoriser quelqu'un à accéder. Donc, s'il vous plaît, je vous rappelle qu'il faut accepter les invitations. Comme ça, le jour du cours, vous allez vous connecter directement. Vous n'aurez pas de problème. Alors, on va commencer, parce qu'apparemment, vous êtes... Oui? Comment? Madame Batla, email fait les étudiants, Madame Batla, email fait les emails des étudiants, Ah, qu'il y a des amis, qu'il y a des étudiants qui m'ont reçu l'invitation. Oui. J'ai envoyé les mails pour ceux que les Rahm a dit, parce que c'est le responsable qui nous a envoyé la liste des étudiants. C'est vrai, il y a quelques étudiants, mais il n'y a pas de mail. Tout le monde, normalement, vous avez une page. Vous avez une page, non? Facebook, oui, groupe, moi, je ne sais pas. Vous avez un groupe. Un groupe. Et donc, vous pouvez leur envoyer l'invitation juste au groupe. Bien sûr. Ah, et donc, comme ça, ça... Et la prochaine fois, Homa Kamel, ils vont m'envoyer leur mail pour ce... ou bien laquelle vous allez faire. Leur rendre service, donc vous allez envoyer leur mail à tous les enseignants. Comme ça, ils proclament la connexion directement. D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que tu as enregistré la séance? Et justement, je n'ai pas la main pour enregistrer. Alors, je vous demande à vous d'enregistrer en tant que délégué. Vous avez une icône juste en haut à gauche, normalement. C'est bon? Euh,
Nassim, est-ce que vous avez commencé à enregistrer? Non, pas encore. D'ailleurs, qu'est-ce que je serais fait pour séance là, non. Je suis là, je serais fait. Comment? Et pas de commande. C'est bon? C'est bon. C'est bon. On Oui, commence, madame. Nassim. C'est bon? Oui, madame. Ouais, très bien. Donc, bonjour encore une fois pour tout le monde, ceux qui viennent de participer. Le cours, comme la matière, comme vous le savez, c'est éthique, déontologie et propriété intellectuelle. Je vais juste premièrement vous présenter le programme. Est-ce que vous voyez le programme? Oui, madame. Oui, d'accord, très bien. Donc, comme vous voyez, le contenu de la matière, il est quand même il est assez important, il est consistant. Premièrement, vous avez la partie A. On va parler de l'éthique et de la déontologie. On va Madame, je vous comprendre ce conseille. qu'on... Madame, J'ai le on PDF. voit pas le diapo. Oui. Comment? Comment? Madame, je vous conseille, monsieur. On voit pas la diapo. Le Voilà. PDF, c'est ça. Maintenant, vous voyez? Non, pas encore. Madame, annulez le partage, on va dérouler l'intégralité de votre écran. Ou... le PDF, on va dérouler l'intégralité de C'est ce que votre écran. j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait l'intégralité, donc je n'aoute. D'accord. Je vais le PDF, donc après, Qui fait? le PDF, قبل ما ديري بارطاج ديكرون. Il est ouvert, donc D'accord. normalement c'est. Je présente. Qui dit que l'intégralité de votre écran, dit qu'il ne faut pas choisir où je partage. J'ai fait déjà le cours avec les MAHU, donc ça a marché convenablement. Maintenant, vous voyez ou pas? Voilà, mais encore le dossier. Encore le dossier. Non, pas encore. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Le dossier. كيف مدام لو دوسي دوسي فيه مكتوب البي دي اف. اوفراج هيدروليك مكتوب اوفراج هيدروليك في البي دي اف وهذا ما احبش تفتح انا نشوفه دايما الدوسي اللي حبش تنطر C'est toujours le dossier que vous voyez? ouais. Oui, madame. J'essaie de fermer le dossier, madame. Je vais fermer le dossier. Je vous faire là, parce que...
Restez connectés. Je vais juste me déconnecter. J'espère que ça va se régler. D'accord. Je connais un juste les patients, parce qu'on a mal. Je vais manger juste les. السلام عليكم يا خويا اش ما تقولهاش تبعت لنا الفيشي هذا ولا بعتها هذو ديجا بعثت لي جوج ما تقولها بعث لها قولها تبعتي لنا يا خو ما نشوفو والو او موان تبع ما بارطاجي ما عرفتش تبارطاجي بارطاجي ليك رو ديالنا ما عرفتش راه ممكن تبعتي لنا خير يا خو انا باني بلي هذا متخر من لا سي ماشي غير لو كان تخد لينا هادي تنخدمو بوابات كيما الاخرين هو ميت خير بزاف يا خو ميت خير خويا راه في ربع ساعه هكذا كبر لا لا هي ما عرفتش تبارطاجي سينو الله تجي دايرها هي تبارطاجي على الفونس نورمالمون مون توجد على الفونس كيف تبعت لنا احنا هذا البي دي اف نتبعوه من البي سي كيما البارح مع هذاك حتى البارح وخلاص دوكا راني بات لا في ميل دوكا على لي كونتاكت تاعكم نسيم وي مدام ما تقلقوش vous avez perdu un quart d'heure معليش on va le rattraper ما تقلقوش ما تقلقناش ما تقلقناش علاش مدام اقتراحتك مدام بوفي لي زونفوي لي فيشي جو في لونفوي اكي نتبعو معاه خير من كيتبرطاج الناس مدام جميل بنفلو لا كل الناس بخير كيتبرطاجي من فيشي دوني بعث لك ايميل دوكا شوف لي على خاطر مدام vous m'avez envoyé un mail Oui, moi, je ferme les contacts à les étudiants. Bon, quand on a les mails, je vais faire les PDF avant de le faire. Je vais En attendant, donc, puisque Heavy, c'est. On va commencer oralement en attendant que le temps qu'un agent voit le mail, il va déverser comme le délégué pour ne pas perdre de temps. Alors, le cours HED, c'est le cours éthique déontologie et propriété intellectuelle. Est-ce que vous avez une idée de quoi il s'agit à peu près? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'éthique et déontologie? L'éthique, c'est quoi? C'est par rapport aux règles et. Et tout ce qu'il faut, non? Par rapport aux règles? Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer un peu par rapport aux règles? Ce qu'il faut suivre, par exemple, quand par exemple on a le CPA, je ne sais plus comment il s'appelle. Le CPA? Le CBA. J'ai oublié son nom. C'est-à-dire qu'il faut suivre certaines règles, qu'il faut pas, voilà. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et, très bien. Par exemple, les dimensions de moi et tout ce qui vient avec. Ah, vous parlez du CPA, c'est-à-dire les règles parasismiques, c'est ça ce que Exactement, vous... oui, madame. Je comprends. Voilà, donc c'est un code à suivre, normalement. C'est un code qu'on doit tous le suivre pour voir ce qu'on a, pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors, comment on peut le faire? Donc, quels sont, ou bien, si on veut appliquer une chose, par exemple, comme vous avez dit, lorsqu'on parle de si on va dimensionner, on doit avoir des règles à suivre, donc on suit et on est dans la sécurité. Maintenant, si on veut l'appliquer à notre propre vie. Comment on peut le faire? Comment on peut l'assurer? L'éthique, c'est quoi exactement l'éthique?
Oui, je vous entends. Ce n'est fait que vous répondez. Maintenant, donc, si vous allez faire des choses dans la vie, vous suivez quoi? Vous suivez vos sentiments, votre morale? Qu'est-ce que vous suivez, par exemple? Tout dépend de la situation, madame. Dans quelle situation on va suivre nos sentiments et dans quelle situation on va suivre la morale? Ou bien les principes? Madame, c'est plus exactement. Ça y est, Merci. Ça y est, c'est bon, je vais vous envoyer le fichier. Ah oui, j'ai aussi. Donc, veuillez le partager, s'il vous plaît. Madame, je partage avec l'économie. Quel est le téléphone que je fasse? Justement, j'ai eu le problème parce que c'était. Impossible. La dernière fois, je me suis à outre, comme ça. Je vais réessayer encore une fois. D'accord. Et vous avez le cours. Maintenant, vous pouvez le renvoyer, le PDF. Oui, on a un peu de temps. Donc, bah, ça sera. Et maintenant, j'ai comme le partage, mademoiselle, encore. Oui, madame Jack. Ouais, enfin. PDF. Un aft, en fin de compte. Vous voyez maintenant le cours? Oui, madame. Allez, voilà, on commence. Si je change de PDF, je vais vous donner le programme. Maintenant, vous voyez le programme? Oui. Très bien. Alors, donc, vous voyez, le programme fait plusieurs parties. Il y a la partie éthique et déontologie. Donc, on va comprendre c'est quoi la notion d'éthique dans tout, bien sûr, dans le monde du travail, dans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur et futur doctorant, peut-être, futur enseignant, vous devez savoir ce que vous avez, quels sont vos droits et quelles sont vos obligations. Donc, la recherche intègre et responsable, quelles sont vos responsabilités, que ce soit dans le milieu universitaire, ou bien dans le milieu du travail. La deuxième partie, on va parler de la propriété intellectuelle. Une propriété intellectuelle, donc tout ce qu'une personne, elle le fait. Par exemple, vous allez faire, l'année prochaine, vous allez faire présenter un mémoire pour... de master, donc vous allez travailler dessus, vous allez le présenter, vous allez faire des recherches, ce qu'on appelle, c'est votre propriété intellectuelle. On ne peut pas, c'est-à-dire laisser quelqu'un d'autre vous l'arracher ou bien se l'approprier. Vous suivez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Donc, comment, par exemple, vous avez préparé un mémoire de master.
c'est votre propriété intellectuelle. Donc, vous avez tous vos efforts intellectuels, vous l'avez mis dans une mémoire pour le préparer. Maintenant, comment quelqu'un peut vous arracher cette propriété intellectuelle? Par quel moyen, par exemple? Oui, Anis Mahfikoum, j'attends vos réponses. Que vous avez compris ma question? Est-ce que vous avez compris ma question? Non, madame. Vous pouvez répéter. Non, madame. Donc, est-ce que vous avez compris c'est quoi une propriété intellectuelle? Je vous ai donné l'exemple du mémoire de fin d'études. Vous l'avez compris ou pas? Oui, madame. Très bien. Maintenant, si quelqu'un d'autre, il y a, par exemple, donc vous l'avez déposé à la bibliothèque, ça y est, vous avez eu votre diplôme. Maintenant, l'année prochaine ou l'année d'après, quelqu'un qui va prendre votre travail, il va se l'approprier. Donc, il va dire, le travail, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'on appelle cette méthode-là? Comment on l'appelle? Il y a quelqu'un du plagiat, qui va du plagiat, non? Exactement, exactement. Et c'est la propriété intellectuelle. Normalement, donc, il se peut que quelqu'un d'autre, il va prendre ce travail, et que le travail, c'est le mien. Donc, il a fait tout le plagiat, une partie ou bien intégralement le travail tech, il va se l'approprier. Il va dire, c'est mon travail. Donc, quelle est la propriété intellectuelle? Et on va voir comment protéger votre travail. Et bien sûr, quelles sont les conséquences de ceux qui font le plagiat, qui volent, c'est-à-dire le travail des autres. D'accord? Donc, les propriétés intellectuelles, ça peut être quelque chose d'intellectuel comme mémoire, ou bien quelque chose d'un brevet, c'est-à-dire lorsque, par exemple, vous avez fait une découverte, vous avez un brevet, donc vous avez le droit sur cette découverte. Ou bien vous avez fait des dessins, ou bien des modèles, ce sont votre propriété intellectuelle. Au cours de cette matière, on va apprendre comment les protéger, et bien sûr, comment éviter de faire le plagiat. C'est le plus important. D'accord. Donc, tout de suite, on va commencer par la première partie. C'est la notion d'éthique et de déontologie. Directement, on va. L'éthique et la déontologie sont des sujets fondamentaux pour la pratique du génie s'ils suscitent de nombreuses questions de compréhension. Ils apportent surtout des réponses à l'exercice même de la profession et aux situations souvent problématiques que les ingénieurs vivent. Ce sont des clés dont aucun ingénieur ne devait se passer. Peut-être, généralement, on sous-estime cette matière. On dit une matière de cours éthique et déontologie, qu'est-ce que je vais faire avec cette matière? D'autant plus, un coefficient, c'est pas aussi important. Mais je vous assure, c'est une clé aussi bien pour le monde de travail tech. Vous allez apprendre comment vous allez apprendre les manières, comment agir avec l'environnement, que ce soit dans votre milieu culturel ou intellectuel, dans l'université, ou bien plus tard, inch'Allah, lorsque vous allez travailler. Donc, vous devez connaître les règles de base. Avec ces règles-là, vous allez, avec ces outils, vous allez travailler avec. Ça va vous aider énormément. Donc, maintenant, on va commencer. Premièrement, on va distinguer, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on va faire quelque chose. Ça dépend, on le fait moralement ou éthiquement. Alors, si on parle de la morale, c'est-à-dire, où est-ce qu'il y a la morale, d'après vous?
La morale, par exemple, on est dans la société, je crois, lorsque vous allez faire quelque chose, est-ce que elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Quels sont les facteurs ou bien quels sont les paramètres qui impactent la morale terne? Oui, j'attends vos réponses. J'attends. Messieurs, mesdemoiselles, vous m'écoutez? Vous devez me répondre au moins par oui ou par non. Comme ça, je sais, Béliara, comme vous êtes là. Ah, alors, vous n'avez pas de réponse? Généralement, la morale, c'est la société qui va nous dicter ce qui est bon. On doit suivre les règles, les habitudes, les traditions. C'est ça, la morale. On le fait moralement. Donc, c'est d'après les mœurs ou bien les habitudes d'une société ou bien d'une famille, etc. Est-ce que, lorsque vous faites quelque chose de moral, vous êtes toujours convaincu de le faire? Madame, ça concerne parfois. Les principes, non? Oui, est-ce que lorsque, par exemple, votre maman vous dit de faire ça et de ne pas faire cela, est-ce que vous êtes toujours convaincu de ce que vous faites? De ce qu'on vous dit de faire? Non. Non, madame, parfois on n'est pas convaincu. Voilà, donc parfois on n'est pas convaincu, mais on le fait moralement. Donc c'est pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres, on le fait, même si on n'est pas convaincu. Donc il y a une force majeure qui est qu'on veut pas heurter. Donc on préfère la garder, on préfère laisser les choses aller telles qu'elles sont. Bien sûr, si on se pose des fois, même si on se pose des questions, on ne peut pas les divulguer. On ne peut pas poser des questions. Il y a des fois où il y a des sujets qui sont tabous. On ne peut pas poser des questions. Donc, c'est ça la morale. Mais est-ce que la morale, est-ce qu'elle peut suffire dans la vie éternelle? Est-ce que dans les actions ternes, est-ce qu'elle est suffisante? On fait toutes les choses de la vie moralement. Non, madame. Est-ce que vous pouvez me dire, allez, on peut le faire moralement? Parce que parfois, on peut faire un choix. Dans ce genre de situation, voilà. même si on peut heurter, mais on peut faire des choix. Mais par contre, pour l'éthique, on ne peut pas faire de choix. On est obligé de suivre. Très bien. Donc, la morale, des fois, on est convaincu, des fois, on n'est pas convaincu, mais on doit le faire. Par contre, l'éthique, c'est autre chose, comme vous l'avez dit. On doit suivre des principes, on doit suivre des valeurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'éthique. Entre enseignants ou bien entre étudiants, par exemple, entre enseignants. Là, je vais vous donner le cas des enseignants. Éthiquement, je ne peux pas sous-estimer un enseignant. Je ne peux pas dire qu'un enseignant il n'a pas la capacité pour enseigner. Je suis qui, moi, pour le juger? Ça ne se fait pas entre enseignants. Ou bien entre vous, entre étudiants. Vous allez vous dire que il n'est pas bon. Par exemple, il ne peut pas faire le travail qu'on lui a demandé. Il n'a pas de capacité. Éthiquement, on ne peut pas le faire. On a des principes, on va tous les suivre et on va tous, Inch'Allah, on va y arriver. Mais il faut bien sûr suivre ces principes. Est-ce que vous arrivez à différencier un peu après la morale et l'éthique? Madame,
Oui. Alors. Oui, madame. On dit que elle se rapporte la morale. Vous entendez l'écho dans... Oui, merci. Oui, madame, oui, madame. Oui, madame. L'éthique, c'est l'art de diriger la conduite humaine en tenant compte en conscience des valeurs en jeu. Elle se réfère aussi au produit d'une réflexion portant sur les valeurs afin de les critiquer, de les renouveler. Donc, bien sûr, là, dans l'éthique, je peux donner mon avis. Je ne suis pas obligée seulement de dire oui parce que je suis forcée de le faire. Donc, je ne suis pas obligée de suivre. Donc, je peux donner mon avis, critiquer, donc critiquer dans le bon sens. Donc, l'éthique est une démarche visant, face à un problème donné, à adopter la meilleure solution, en s'appuyant sur des valeurs apprises, admises et intégrées. Donc, j'ai un problème, je dois trouver une solution, mais bien sûr, je dois suivre des valeurs, je dois suivre des principes, je dois suivre des règles. Toute la société, elle est d'accord sur ces règles. À la différence de la morale, je peux faire des choses, oui. Il se peut des fois que je fais quelque chose de hors de commun. Donc là, je vais pas suivre les règles de la société. On va me critiquer. Elle sort du commun, elle est différente. Donc la morale, on travaille avec nos sentiments, si on peut l'appeler. Donc c'est plus facile pour l'expliquer. Par contre, l'éthique, on doit suivre des valeurs, on doit suivre des règles, on doit suivre des principes. D'accord jusque-là? Oui, madame. Oui, madame. Merci de m'avoir dit moi oui. Comme ça, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. S'il vous plaît. Non, c'est juste dire oui ou non. Ouais, j'ai pas compris. Mais allez, je ne vous demande pas tous de participer. Mais lorsque, par exemple, je vous demande si vous avez compris ou pas, vous me répondez. Bah, oui ou non. Là, il n'y a pas de problème. Là, j'accepte vos interventions avec toutes les langues. Il n'y a pas de problème. Pour moi, le but, vous allez vous exprimer. Vous allez apprendre à parler, à communiquer. C'est bien important. Ce n'est pas là, je vous donne, je vais vous l'envoyer, le cours. Je pense que déjà il a partagé le délégué, mais le plus important, c'est d'apprendre de nouvelles méthodes, de nouvelles manières. On l'apprend là, pendant la séance du cours. C'est plus important que tout seul et des fois je comprends et je ne comprends pas. Marine. Maintenant, on va voir c'est quoi la déontologie. Donc la déontologie, elle est déjà définie, c'est la théorie de devoir. J'ai un devoir à faire, je dois suivre des règles, des principes, c'est la théorie. Donc la déontologie, ce mot, il provient du grec déon, déontos, le devoir, et logo, le discours. Donc c'est la théorie des devoirs moraux. Et l'ensemble des règles de conduite que l'homme doit respecter à l'égard de la société en général. Dans un sens moins technique, elle désigne l'ensemble des devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier. Donc cet ensemble de devoirs peut être formalisé par les instances dirigeantes ou représentatives d'une profession sous la forme d'un corps. Donc, la déontologie, on doit suivre des règles,
que ce soit enseignant, étudiant, travailleur, Kemel, on a des règles à suivre. Si on prend le... Si on prend votre cas, vous qui êtes étudiant, alors quels sont vos... je vais dire, on va commencer... quels sont vos devoirs ou bien vos obligations, quels sont vos droits, voilà, en tant qu'étudiant, quels sont vos droits? Allez, j'aime bien entendre votre avis. Vous êtes étudiant, on vous demande qu'est-ce que vous voulez. Que vous répondez? Madame, assister au cours et au TD. Et Fernando va... Oui. On doit sortir de l'université avec une bonne formation dans le domaine. Voilà. Allez, c'est bien. Mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai pas... vous n'avez pas terminé. Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit. Kamel, si vous pouvez le faire. Alors, j'ai dit que on doit assister aux cours et aux TD. Et aussi en savoir des droits. Voilà. On doit, mademoiselle, je commençais par de parler des droits. On doit y animer, là, c'est une obligation. Lorsqu'on va parler des obligations. Maintenant, là, je vous demande, qu'est-ce que vous demandez de l'université? Quels sont vos droits en tant qu'étudiant? Ah, droit. Oui. Les stages. Bien sûr, donc vous avez des stages, donc c'est... Madame, normalement, l'université, il y a les informations qu'il y a sur les marchés en plein fort ou les nassés en plein fort. Je conseille d'aller parce que c'est l'université. Mais il y a les informations, il y a les informations, normalement, je pense comme ça. Non, c'est que le problème, c'est que l'université a signé des conventions avec les organismes de l'État pour faciliter, pour vous faciliter la tâche. Oui, madame, l'étudiant réclame une bonne formation pour entrer dans les professions. Là. C'est vrai, parce que les stages, c'est important. Bien sûr, l'université, vous allez acquérir. Dans la réception des stages de la société, elle est là, elle m'accepte. Donc, elle est là. Soit dans le bureau, soit dans le chantier. Elle est là, elle ne m'accepte pas les stages. Donc, lui, elle ne parle pas. Pas de le déplacer. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, c'est pour parce qu'il ne peut rien dire. C'est pour les millionnaires, la formation, les stages. Oui, parce qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Parce que, par exemple, s'il n'y a pas une convention entre l'université et l'organisme, par exemple, les formations, les stages, nous devons faire le travail. Oui, bien sûr, vous devez avoir des chantiers. Bien sûr, pour comprendre ce que vous avez acquis comme il faut le voir en pratique. C'est très important, c'est très bénéfique pour vous. Bien sûr, c'est un droit. Encore d'autres droits. Is it the flower boss? C'est pas l'université. On parle du côté intellectuel. C'est un autre organisme. L'université vous donne le savoir. C'est vrai, les conditions des études, que ce soit la restauration ou bien le cité universitaire, mais je suis à l'université. Donc, c'est un organisme à part. Mais bien sûr, l'étudiant a le droit d'avoir une bonne bourse, une bonne restauration, une bonne condition de séjour. C'est un droit. Alors, je parle de l'université. Quels sont encore vos droits? Avoir un bon cursus scolaire.
Bon, universitaire plutôt. Et donc, vous exigez qu'on vous donne, qu'on vous enseigne bien, yani, entre autres. Exactement. Des sorties pédagogiques, madame. Ouais, donc, des sorties pédagogiques, d'accord. Encore. Vous n'avez pas d'autres droits à revendiquer? Madame, un programme à suivre doit être créé par l'État. Le programme doit être créé par l'État. Oui, madame, Ben, on veut pas suivre un programme créé par si les vous autres pays. demandez de travail. S'il vous plaît, Fahmi, j'ai pas compris. Essayez de Fahmi acteur comme ça en profite. Madame, en Algérie, on suit des programmes créés par d'autres pays. Ah, Vous m'avez j'ai compris. compris. Ouais, bien sûr. Et on reste toujours les derniers. C'est ça le problème. Encore. C'est ça ce que vous avez comme. C'est ça vos droits. Madame, Madame, les un formations. email. Oui. Madame, les formations, t'as les logiciels. Oui. On veut fait, on veut, on vous fait des. Non, Madame, il y a des logiciels. Par exemple, Revit, un EP, Revit, Hadouk voilà, Revit. Hado, je C'était trop cher d'amener, mais je travaillais pendant 15 heures, je travaillais bien plus. Kima quoi, ce C'était madame. C'était égal à la CP. deux. Ça pas plus tard que le contrat. CP, C'est CP. l'avantage, j'allais dire, par rapport à la fin de Voilà, Est-ce que le le travail se damia pendant 15 heures, 3 semaines. Inch'Allah. que vous allez vous payer les formations, c'est ça? Oui, bien sûr, madame. Il y a des formations à l'Iran, c'est qu'on nous paye, madame. Soit AutoCAD 2D ou un autre. Résultat, maintenant, pourquoi pas? علاش نسمعوا مدام واش الصون لا لا Elle a désactivé son بس micro. نشوف عندك ليه كيف راح نخرج خو ديكونيكتد كاريبا يلا كانت لا كونيكسيون زدت بات انفيتاسيون وقيلة الغدوة ياك صبرت شو مازال ما شفتش بقي لها غدوة ولا لو 30 يوم ما على بالي جاست هذه مقبلة ما لحقتنيش وراك اخو ما كاش بث كور برك ما باش نو هذاك الغابال باش تدخل لاخر جو بونس ديك بان دوج راح نوافق دوكا ديك ما تحقو بس لا لا لو 5 جونفي لو 5 جونفي انا ما قريتهاش من بعد
Yanis. ويا خو الفوطو اللي دايرها بصح تربح بيبي ايه قديمة يا مات يا مات ولا يا مات كوبي الوراء كوبي الميكرو تاعي وين في يوتيوب في يوتيوب اسكو كمايا لا لا كونيكسيون دونك نكملوا سو كو فوز افي اون ايتي ان تران دو دير اون بارلي دو كوا ديجا وي Les droits. Voilà, je vous ai posé la question. En ce qui concerne le... هاد لي لوجيسيال نورمالمون كاين دي توتوريال سور انترنيت وي انا جو مادام يا اون كوبيور On ne vous entend plus, madame. راكو تسمعوا ولا انا برك عندي بروبلام ولا تسمعوا اوكي
Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Vous écoutez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, oui. Oui, oui madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Madame, on vous entend. Je vous entends pas, j'entends rien, je sais pas c'est quoi le problème. فهموني راح البروف ولا حبسنا ماني فاهم والو واش كان نورمالمون راحت لها كونيكسيون ولا عفسه هكذا كي تخرج تدخل مازال حال بروف في لا ريونيون يو البروف راحت خلاص لا سيونس فهمونا هادو مازال اون راحت لا كونيكسيون راحت لا كونيكسيون بروبليم كونيكسيون داكو يروح واقيلا وخلاص عاودتو ولا البروف